Salut. Ma question est la suivante. Où est-ce que vous en êtes avec vos pièges? Je suis à ma troisième prise. Mon premier piège m'a pris un petit abruti de 24 dollars, d'une valeur de 24 dollars. Mon deuxième piège m'a pris un abruti gros de 160 dollars. Et avant-hier, bon. Depuis le 16, hein, j'ai pris un gros abruti, mais je ne savais pas. Ça a commencé à pourrir. Vous savez, quand tu fais un piège que tu ne passes pas là-bas, l'abruti peut commencer à pourrir. Hein. Ouais, mon abruti a commencé à pourrir. C'est aujourd'hui que j'ai découvert que mon piège a pris. Heureusement que j'ai été vigilant. Souvent, l'abruti, quand on commence à pourrir, là, c'est doux, hein, si on fait sauce avec abruti pourri. Si tu manges ça. Tu connais Colombo, Colombo, c'est-à-dire abruti, là, ou bien djumblé. Abouti là, t'as commencé à pourrir un peu. Et puis on fait djumblé. Hein, foutu banane, foutu igname. Tu vas manger ça. Je vais te montrer. Allons-y voir mon abouti. Alors, regardez ici le 11 décembre. 11 décembre. J'ai fait un achat de la crypto-monnaie PYR. Je vous ai dit que c'est une crypto-monnaie que les gens prennent pour jouer et. Voilà, donc j'ai acheté pour 308 pièces au prix du marché, hein. Je n'ai pas voulu trop attendre. J'ai acheté au prix du marché à 6,647 dollars. 6,6. Bon, 6,64 si vous voulez. Donc j'ai acheté ça et ça a pris, je ne savais pas. Et donc, regardez ici, cette crypto-monnaie, j'ai lancé mon piège en limite, en sell, en vente. Regardez là, en vente, hein. 6,647, je l'ai vendu, j'ai lancé ma vente pour vendre ça à 7 dollars. Alors, quelle est la marge sur chaque pièce? Faisons ensemble le point pour voir la valeur du lagoutier. Donc, on va ouvrir notre calculatrice. Alors, j'ai dit que je l'ai acheté à 6. Bon, d'abord, je l'ai vendu à 7 dollars. 7,00. OK? Et je l'ai acheté à 6,647. Ça veut dire que j'ai 0,35 dollars, 0,352 dollars sur chaque pièce. OK? Bien. Et donc, j'ai 0,352 dollars. Vous notez ça, 0,352 dollars sur chaque pièce. Si je vends, quoi, et mon piège a pris. Et donc, regardez là, je l'ai vendu, j'ai lancé mon piège, j'ai mis mon piège pour prendre ça à 7 dollars. Et 308,152 pièces. 308. Donc, ce montant-là. Ce montant-là, 0,300 dollars, multiplié par 308 pièces. Ben, ben, 108 dollars. Un abruti de 108 dollars. En combien de jours? Alors, regardez le piège. Allons-y voir le piège. Le piège, je l'ai lancé j'ai lancé ma vente le 12. Voilà là, le 12. J'ai acheté la crypto-monnaie et j'ai vendu, j'ai lancé mon truc le 12. Donc le 12, ça ne valait pas ce prix de 7 dollars. Et j'ai lancé mon piège. Alors, regardons, allons voir les détails. Regardez les détails. Ça a été vendu quand? Ça a été vendu 4 jours après, le 16. Le 16, tout ça sont mes ventes. Ce sont mes ventes. À 7 dollars, 7 dollars, 7 dollars, le prix que j'ai fixé là, 7 dollars, 7 dollars. Lui, là, il a pris 3, 33 pièces, 38 pièces, 34 pièces, 40 pièces. Les gens payent quoi? Voilà. Voilà. Et donc, j'ai eu la somme de 108 dollars. En combien de jours? En 4 jours. C'est-à-dire que c'est comme si chaque jour, divisé par 4, c'est comme si chaque jour, je gagnais 27,180, 27 dollars. 27 dollars. Multiplié par 650 francs, si on doit faire en franc CFA. C'est comme si chaque jour, je gagnais 17 667. Et j'ai eu ça 4 fois, 4 jours, durant 4 jours. Ça fait 70 670 francs CFA.
voyez que ça marche. Voilà. Donc, voilà, ça marche. Ça fait mon troisième abouti. OK? Bien. Nous ne sommes pas des traders. Hein. Nous, on s'amuse un peu. On fait le piège. On tend le piège aux gros aboutis. Et puis, ça prend. Donc là, je vais attendre. Je vais fixer un prix d'achat. Quand ça va chuter vers les 5. Parce que quand ça monte, les gens vendent là. Donc, je vais essayer de voir le prix. Actuellement, c'est combien le prix? Allons-y voir. Pour voir si on doit, puisque je vais récupérer mes 100 dollars là, mes 108 dollars mis de côté, et je vais continuer de trader, de spéculer avec l'argent mère. L'argent mère m'a produit en 4 jours 108 dollars. C'est un ouf, hein? Allons-y voir si on peut en acheter encore. Vous voyez que je l'ai acheté vers, dans cette période du 11 décembre, regardez là. OK. Et puis, dans la semaine qui a suivi, le seul jour où ça a atteint 7 dollars, c'était bien évidemment le 16. Regardez là, le 16. Sinon, regardez les autres jours là, elle n'a pas atteint 7 dollars. Pendant que je parle, elle a chuté aujourd'hui. Elle est autour de 6,11. Donc, je peux même tout de suite placer, acheter directement. Si c'est que elle va naviguer autour de 6,40. Donc, 6,40, moi, je vais prendre toujours autour de 0,35 dollars hein, par pièce. OK? Vous voyez un peu, non? Je peux prendre 0,35 dollars par pièce. Puisque, regardez là, elle a 6,11. La dernière fois, je l'ai acheté plus cher que ça. Donc, je peux m'amuser encore. Et c'est que c'est fort probable qu'elle monte au moins à 6,5 dollars. Alors, si actuellement, elle est à ce prix-là, 6,11 que je paye, que j'en achète, elle est tombée à 6,10, que j'en achète et que je décide d'avoir 0,40 dollars par pièce. Ça veut dire que c'est lorsque ça va atteindre 6,51, chose ça peut arriver. OK? Forcément, ça va remonter. OK? Ça va remonter absolument. Et je peux tendre mon piège encore pour prendre au moins 0,40 dollars par pièce. S'il y a 0,40 dollars par pièce, alors, s'il y a 0,40 dollars par pièce, avec mes 308 pièces, on va calculer ensemble. Là, la dernière fois, j'ai eu que 0,35 dollars. Donc, prenons 0,40 multiplié par 308. Là, je peux avoir jusqu'à 123 dollars francs CFA. Ça sera autour de 80 000 francs CFA. Ça sera pas mal, non? On va attendre encore un piège. Bien. Je vous laisse. C'était moi. Ciao. Abonne-toi. C'est pas fait.